La politique migratoire, c'est un sujet régalien. Il est partagé aujourd'hui avec l'échelon européen, mais c'est bien l'État central qui doit décider de l'accueil des migrants, des procédures. Elles doivent être appliquées et respectées. C'est d'ailleurs l'enjeu de la loi asile-immigration, non seulement qu'on fixe des règles, mais qu'on se donne les moyens de les gérer avec l'humanité et les droits de l'homme qui sont importants pour les Français, mais aussi une forme de rigueur et de volonté de faire respecter les règles. Alors évidemment, l'Aquarius, c'est une urgence. C'est des personnes qu'il faut accueillir d'une manière ou d'une autre, mais c'est une mauvaise image que l'Europe donne en refoulant dans un port, en l'acceptant dans l'autre. Il faut que nous avancions. Alors, ce n'est pas simple, parce que, bien sûr, le nouveau gouvernement italien veut donner des signaux. J'espère qu'il viendra à de meilleurs sentiments, enfin, à une volonté plus européenne de gérer ensemble ces règles qui, aujourd'hui, sont trop souvent bafouées. Donc, faire respecter les règles, mais avec l'humanité et le respect des droits de l'homme et du droit d'asile qui fait partie de la Constitution européenne.